Ah, je suis parfaitement à l'heure. Ouais, mon son est bon. Input, ouais, output, c'est bon. Nice, ok, je peux aller sur le jeu. Salut tout le monde, bonsoir. Bon, les Dunedain! C'est pas une campagne facile, les Dunedain. Bon, attends, on va mettre difficulté, on va mettre ça en difficile au moins. Voilà, difficile. Difficile, moyen, je pense que c'est bon. C'est pas facile, les Dunedain. Pour ceux qui connaissent pas, c'est pas facile à gérer. Parce que vous pouvez vous retrouver à devoir tout faire et vous n'avez pas d'économie et pas de troupes. Hein. C'est pas une faction facile à jouer. Il y a des trucs que je voulais tester avec les Dunedain depuis très longtemps et que j'ai pas testé. Donc on. Il y a peut-être un monde où ça va très mal se passer parce que je vais faire de la merde. Je préviens. Je préviens tout de suite. Donc ouais, les Dunedain, c'est parti. Ouais, difficile, bataille moyenne, c'est bon. Je crois que je suis bien. Les Dunedain, c'est un royaume. Pas vraiment. Non, c'est pas vraiment un royaume, les Dunedain. C'est une faction. C'est une faction. C'est les restes de plusieurs royaumes. Enfin, principalement les Arthédain. Carnolan aussi. Un peu du Rodur, mais moins. Donc, ce sont les restes, les anciennes familles numénoréennes des trois grands royaumes qui ont succédé à Arnor. Alors, non, on peut pas refonder Arnor, malheureusement. Mais tu peux reconstruire Fornost et Annuminas. Donc les deux capitales. La capitale d'Arnor et après la capitale du royaume des Arthédain, Fornost. Eh ouais, Nico! C'est pour ça que je vais tenter autre chose. Les Dunedain du Nord. Bon, je vais pas vous lire le pavé. Pour ceux qui suivent The Lord of the Rings, on vous explique comment les grands royaumes ont chuté. Et ont été battus entre eux par le roi sorcier d'Angmar. Et bah, il reste plus grand chose. Hein. Donc, vous commencez avec pas beaucoup d'argent et vous commencez avec deux putains de villes. Alors vous avez un beau petit stack d'armées ici. Mais je vais faire ce que les gens ne font pas. Je sais, ça va sembler un peu drôle ce que je vais faire là. Je ne vais pas aller prendre Fornost et Annuminas dès le début. Généralement. N'importe quel joueur va tenter d'aller prendre ces deux villes, pour des raisons logiques. Moi pas. Moi pas. Je vais m'arracher de là. Je vais essayer de pas tomber sur des gangs de brigands. Et je vais évacuer mon armée. Attendez, le son n'est pas bon. Faut que je mette le son dans le casque. Oh, pardon. J'ai d'autres plans. J'ai d'autres plans. Déjà parce que Annuminas et Fornost sont pas faciles à prendre. Il y a des trolls à Fornost. Il y a des trolls à Fornost. Alors que prendre ces villes, c'est pas des nécessités. Oui, c'est bien. Ça vous fait une barrière avec Angmar dès le début. Mais Angmar va aussi se casser les dents sur ces villes. Eh ouais. Go en voyant le Mordor, mettez un petit comique, toi. Donc ouais, le but va être. Il y a énormément de villes tenues par des rebelles. Donc c'est plus simple d'essayer d'aller capturer des villes dès le début. Sachant que Angmar va jamais faire une descente dès le début. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des risques énormes. On va prendre des risques énormes. Est-ce que je pourrais lever du diplomate? Je ne pense pas, malheureusement. Du diplomate. Peut-être à Mansoul. Ouais, je peux faire un diplomate. Génial. Déjà, on va baisser. On va mettre des baraques, des charpentiers. L'avantage, quand vous avez que deux villes au début, c'est que vous ne pouvez pas faire grand-chose dedans. Vous vous rendez compte que je commence avec moins de 1000 habitants! Je commence avec moins de 1000 habitants! C'est encore pire que les elfes! C'est encore pire que les elfes! Par contre, Ossoul est une fantastique place de défense. Bon, regardez ce qu'on va faire. Je vais faire le gros bourrin. Voilà. On vide les villes. Hein. Hop. On va mettre une petite tour. Allez. Bon, hey! Si je perds les villes, j'ai le droit de recommencer. Hein. Tout de suite. Hein. Hein. C'est quoi Fenris de Rin dans le lore? Oh, c'est un gros campement. On va dire ça comme ça. J'ai déjà plus de thunes. Hein. J'ai déjà plus de thunes. On va aller prendre Tirduin au tour suivant. Et là-haut, bah. Attendez, il me semble que j'ai aussi une armée ici. Voilà. J'ai aussi une troupe ici. Normalement, il y a une ville qui est là. Voilà, on va éviter de trop traîner dans le coin.
Alors, Maitreis, c'est l'ancienne capitale du royaume de Cardolan. Cardolan, Maitreis, donc ça sera une ville intéressante à aller prendre pour mon futur commerce. Pour le moment, je peux pas y toucher. Regardez, il y a une très belle garnison et c'est pas avec avec ces mecs-là que je vais prendre ça. Il y a qui Ouais. Ah ouais, il a quand même des stylos. Éventuellement, je pourrais recruter une compagnie de voleurs. Voilà. Ah ouais, non, mais il y a même pas d'habitants. Hein. Il y a pas d'habitants. Hein. Genre, il y a rien. Tour 1, passé. Je peux même pas construire de troupes dans la ville ici. Tellement elle est merdique. Yes, my lord. Allez, c'est parti. Vous allez voir, ça va être sport. Hein. Vous allez voir, ça va être sport. On va prendre des risques. Hein. Là, j'abandonne mes villes. J'abandonne parce que je considère que j'ai pas besoin de garnison. On va espérer qu'il n'y ait pas une unité sneaky qui rentre dans la ville. Ah bah, il n'y a personne. On va prendre des risques, quoi. C'est le jeu. Tu as plus de soldats que d'habitants. Ouais. Ouais. J'ai plus de soldats que d'habitants. Plutôt ironique, hein. Donc là, on va essayer éventuellement de faire la jonction avec l'autre armée. Oh là là, il m'attaque, c'est une blague! Non, il m'attaque pas, c'est bon. C'est bon, il m'attaque pas. Nouvelle mission, Tirduin. Ok, Tirduin, ça, je peux le faire à ce tour-là. Bataille! Le but va être de prendre le minimum de pertes! J'ai des sentinelles de Cardolan qui sont d'excellentes unités. On va essayer de prendre le minimum de pertes. J'ai Aragorn. Regardez, Chad Aragorn sur le terrain. Excellent général. Hop là. Attaque. Il y a certains youtubeurs qui ont accès à la V5. C'est sûrement peut-être un des devs qui partage tout simplement. Bon, première bataille. Il va y en avoir beaucoup comme ça. Des petites batailles où je dois limiter la casse au maximum. Bon. Les sentinelles de Cardolan, c'est une unité que j'adore parce que c'est de l'infanterie. C'est presque de la médium infanterie, infanterie légère, mais c'est aussi des archers. Donc vous allez souvent avoir des unités avec les Dunedain, avoir ce genre d'unité un peu hybride. Bon, il y a quoi là? Il y a du monde. Alors, KSE, les méchants, l'infanterie lourde là. On va avancer. Qu'est-ce que vous faites là, les débiles? Alors normalement j'ai, je dois avoir une portée pas dégueu. C'est quoi? C'est du, ouais, c'est du des rangers. Ouais ouais, c'est pas, c'est une campagne très difficile. Hein. Il faut faire des exploits. Il faut faire des exploits sur cette carte. Il faut utiliser certaines cartes pour gagner. Il faut être très très sale. Sinon, c'est difficile. Surtout face à certaines IA qui peuvent steamroll, en fait. Ok, je vais t'apporter. Je vais demander de tirer sur l'infanterie lourde en priorité, vu que c'est eux la grosse menace. Voilà. Et les sentinelles de Cardolan, elles n'ont pas encore la portée, normalement. Elles sont un peu plus légères au niveau distance. Alors, Aragorn, il va travailler, hein. T'inquiète pas. Hein. Il est avec la Grey Company, qui est une des meilleures unités d'infanterie humaine d'early game. Excellente unité. Mais c'est vrai que je l'avais oublié derrière. Allez, on va mettre un peu de son. On va mettre un peu de son. Allez, les gars. Là, le but, c'est de prendre, allez, moins de 10 pertes sur la bataille. Moins de 10 pertes. On va voir si je peux le faire, moins de 10 pertes. Ça va être de la petite optimisation de merde. Il faut... En fait, là, mes troupes, je vais pas pouvoir les recompléter avant sûrement 20 ou 30 tours. Donc là, toutes les pertes que je prends, ça sera pas recomplété. Ah bah, techniquement, on est déjà presque 40 ans avant la communauté de l'anneau.
Ah, j'ai pas la portée, ouais. Je suis encore un peu loin. Mais ouais, je suis prudent. Je suis prudent. En fait, ils ont potentiellement un lore alternatif. Ils ont aussi comblé certains vides qu'on n'avait pas dans le lore de base. Putain, mais allez! Bon, allez, on va tirer dans le tas. On va tirer dans le tas. Et on va faire des pertes. Voilà. J'ai manqué le début. Ouais, je commence, Zep. Je commence, c'est la première bataille. Je suis en train de faire une petite attaque de village. J'ai pris quelques risques. Lord Carlos, putain, ce pseudo génial. Salut les gars. Merci Lord Carlos. Je ne sais pas d'où tu sors ce pseudo, mais il vend du rêve, je dois avouer. Voilà. Bon. 9% de perte. On va commencer à empiler du cadavre maintenant. Normalement, ils sont pas à portée. Allez, on enfile. Ectoplasme. Eh, mais c'est le rendez-vous des pseudos un peu olé olé là. Merci pour le sub, Ectoplasme. Bienvenue à toi. Ouais, c'est pas une campagne facile, les Dunedain. Il faut connaître un peu le jeu pour faire des gros exploits de cochon. Et là, je vais tester un autre truc de d'habitude. Donc peut-être que ça va moins bien se passer. Allez, là, parfait. Ils sont tous taqués. C'est le rêve. Là, c'est le rêve. Maintenant, fuite de dommage collatéral. Rappelez-vous, là, le but, c'est de prendre moins de 10 morts dans la bataille. Moins de 10 morts. Cette armée, je pourrais pas la reconstituer avant très longtemps. Voire pas du tout. Là, le but, c'est de prendre le minimum de pertes. Et au passage, de prendre de l'expérience. Hein. Très important, l'expérience. Voilà, ça tombe bien. Allez, 30% de perte. J'ai même pas encore usé 50% de mes flèches. Je vais être capable de les amener à 70%, je pense. Sachant que l'unité la plus dangereuse, c'est ceux-là. C'est les mercenaires, les cell walls, qui sont de l'infanterie lourde. Le reste, c'est de la piétaille. Allez, on sauce ça tranquillement. ...44% de perte. Allez. Heureusement que l'IA est stupide, hein. Mais, hé, avec la campagne des Dunedain, vous allez devoir faire ce genre d'exploit. Vous allez vraiment devoir être super économe avec vos troupes. 50% de perte. Donc, par exemple, les sentinelles de Cardolan, qui sont de l'excellente infanterie légère... Va falloir apprendre à toujours utiliser les fusils en tant qu'archer et après les envoyer au corps à corps. Allez, 60% de perte, on est encore bien. Donc là après le but c'est d'envoyer mes généraux au combat, vu que mes généraux peuvent être reconstitués gratuitement. Le but, c'est de ne pas prendre une seule perte dans l'infanterie régulière. Allez, les boys, c'est parti. Ça, c'est les Dunedain Bodyguard, qui sont excellents. Et normalement... Ouais, voilà. Ça, c'est les Rangers Dunedain, qui sont des unités d'archerie. Hein. Même si je crois qu'ils sont pas mal au niveau stats. Ouais, ça fait une bonne infanterie... Ça fait une bonne infanterie légère aussi. Même si je préfère potentiellement les... Ah ouais, potentiellement je préfère largement les sentinelles de Cardolan. Plus hybride. Ah ouais, complètement. Hein. Après, le gros souci des Dunedain, c'est aussi leur système de recrutement régional. Tu vas avoir accès, selon les anciens royaumes, à leur type d'unité. Donc Cardolan, tu vas pouvoir les recruter dans, chez Cardolan. Les Artedains dans le nord. Donc faut apprendre à... Va falloir apprendre à faire du turnover avec les troupes pour reconstituer.
ça peut être la logistique peut être difficile avec les Dunedain. Bon, pas mal. On leur a fait 80% de pertes. J'ai pas perdu un mec depuis le début et je continue de les saucer. On va essayer de tirer en priorité sur l'infanterie lourde. Ils sont 49. Je vais demander à mes bons archers de tirer sur l'infanterie lourde. Ah, Scoffron, bonus anti-armure pour les steelbow. Ah, ça c'est intéressant. Donc parfait pour casser les Cell Wards. Voilà, on y est presque. Hein. Voilà le genre de bataille où vous ne devez pas prendre de pertes. Hein. Donc ouais, ça peut être un peu long et chiant de faire ça. Mais ça vous permet d'avoir une armée... Là, je vais prendre une ville. Je vais accomplir ma mission, donc je vais gagner 2000 ducats. J'aurai récupéré de l'expérience. Et potentiellement, je vais perdre aucun mec. Et si j'en perds moins d'une dizaine de mes deux généraux, ils seront recomplétés gratuitement. Ce qui est pas mal. Allez, on y est presque. Attendez, là. On va taper dans le tas. Swords. Voilà. Bon, j'ai plus de flèches avec mes archers un peu plus lourds. On va saucer avec ce qui reste. Ah ouais, elles sont lentes à produire et elles coûtent cher. Bon, il faut 3 tours là pour les recruter, les machins. Ça pique, hein. Allez, on continue de saucer. Bon, je crois que j'ai presque fait le tour. Hein. Il reste 25 Selsword. Ouais, ils sont encore un peu nombreux. Hein. 91%. J'ai plus de salve. Allez, hop. On va aller se castagner. La Grey Company Aragorn va ouvrir ça. Il va les ouvrir comme des apéricubes. Hein. Ça, c'est la compagnie grise. C'est l'unité d'Aragorn. Donc, regardez Aragorn. Chad Aragorn derrière. Classe, hein. On va venir flanquer avec ça. Aragorn en frontal. Allez, hop. Allez, avec la hache. Voilà, on empêche le contact, on va fixer tout ça. Putain, ça tombe. Je me rappelle plus ce qu'il fait son pouvoir. Man of the West, putain, c'est classe. Homme de l'Ouest. Allez, on mange tout. Tu l'as pris au Dunland? Dunland. Je vais essayer de filer vers le sud. Dunland, et je vais même... D'habitude, je pars tout le temps vers le nord, ce qu'on front, tu vois. Je pars vers Angmar. Et là, j'ai envie de tester, de filer vers le sud, sécuriser Tarbard le plus rapidement possible pour avoir accès à de l'économie, à de l'éco maritime. Et je vais peut-être délaisser Angmar, sachant qu'Angmar va se casser les dents de toute façon sur Aluminas et Fornost. Bon, j'ai perdu 3 mecs, 4 mecs. Aïe, 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 combien de soldats je vais perdre? 1% de perte. Bon, voilà, maintenant, on va aller... 1, vitesse fois 6. Bon, pas mal. Je crois que j'ai perdu 5 mecs. J'ai perdu 5 mecs. J'avais dit moins de 10. C'est parfait. Ça, c'est une bataille comme vous devez les faire. Avec les Dunedain. Au début, en tout cas. Les hommes sont très précieux. Hein. Vous pourrez pas les recompléter, vos mecs. Mais je vais voir si je peux pas faire une paix blanche avec les gobelins. Les gobelins, je vais faire une paix blanche moi au début, hein. Le temps de me poser tranquille, petite paix blanche. Une petite trêve. Puis après, je viendrai leur casser la gueule. Voilà, allez, à moi la tire d'huile.
Voilà. Hop là. Allez, on capture ça. Hop. Au niveau culturel, ça donne quoi? C'est pas brillant, brillant. Hein. On va immédiatement construire une hutte du charpentier. Une hutte du charpentier. Je suis très tenté de... très tenté de laisser juste le général. Ça passe. Et là, on va directement continuer à pousser vers le sud. On va aller ici où il y a le prochain... Bah ouais, je connais la carte par cœur. Je connais la carte par cœur, ça aide toujours. Et on va aller voir si je peux pas essayer de faire une paix blanche avec mes voisins gobelins. Et là, on va... Ici, on va essayer d'esquiver... Ça passe. Et là, on va faire descendre les Artédains par Brie. Ok, pas mal. Donc, Brie serait ici. Éventuellement, je pourrais rejoindre les deux armées et aller prendre Maitreis. Tandis que Aragorn... Est-ce qu'il a une armée suffisante, Aragorn, pour... Ouais, je pense que ouais. Je pense que ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des mercenaires dans le coin? Non, il n'y a pas de mercenaires. Et au niveau argent, je suis pas si mal que ça. Par contre, ouais, là, je suis en train de sortir quelques troupes. Et là où on va faire un autre diplomate. Pourquoi les orques sont défigurés dans le film et les Uruk-hai pas tant que ça? Non, les Uruk-hai sont des orques, en fait. Les Uruk-hai sont simplement des orques plus balèzes. Mais les Uruk-hai dans les films de Jackson, les Uruk-hai, c'est un choix artistique. Voilà, c'est un gros choix artistique. Mais ce sont des orques. C'est comme ça qu'il faut le voir. Bon bah... Pas mal, pas mal. Allez hop, tour suivant. Oh, le son, Pépé. Pépé, le son. Vite. Voilà. Ok, c'est bon. Non, c'est... On sait pas grand-chose des sociétés orques. Alors, les gobelins sont des orques, hein. Les gobelins sont des orques, hein. C'est souvent... On fait la différence, mais les gobelins sont des orques. Oh non, oh non, oh non, ne me pète pas la gueule. Ok, il m'a pas attaqué, je m'en sors bien. Putain, les stacks de brigands. Nouvelle mission, les Dune Landings. Ouais, mais là, le problème, c'est que... Oh, les elfes qui ont repris le bled ici, c'est cool, ça. Alors, est-ce qu'il y aurait pas... Je suis à la recherche de gobelins. Est-ce qu'il y aurait des gobelins qui traînent dans le coin? Bon, Aragorn. On va aller faire le siège ici. Voilà. Donc ça, c'est un beau château. Il y a quand même quelques belles unités dedans. Ici, on a des troupes qui sont sorties. Parfait. Là-haut, il n'y a toujours pas d'Angmar. Ça, c'est des restes. On va continuer à passer par là. Voilà. Est-ce que j'irai pas prendre Mangalen? Ah ouais, mais il y a les deux unités de Barrow's Knight qui sont de l'infanterie lourde. J'ai pas envie d'affronter ça tout de suite. Oh merde, il y en a ici aussi. Je déteste ces unités, putain. Je vais devoir essayer de les contourner. Si je pouvais essayer de mettre les deux armées ensemble, ça résoudrait tous mes problèmes. Parce que là, j'ai pas d'archers, mais là, je récupérerai les archers. Bon, pour l'instant, Aragorn, je vais le laisser faire le siège. 3 tours, c'est pas mal. On va peut-être investir un peu. Le problème, c'est que là, mon but va être d'augmenter la population le plus rapidement possible. J'ai 988 habitants, c'est de la merde. Et à Ost-Soul, pareil. On va au moins mettre une... Un petit machin, là. Oh là là, c'est vraiment... Il y a un truc qui rajoute des barrows. Ouais, bah je vais pas aller le prendre. Je vais pas aller capturer cette merde alors. Je vais la contourner. Je voudrais bien en fait aller prendre surtout Maitreis, qui est une belle ville. Je vais essayer de contourner le merdier. De toute façon, une fois, le script je le connais. Hein. Le script je le connais. Quand ça repop, ils sont pas agressifs, tu vois. Donc une fois que t'as la ville de Mangalen, tu t'en bats les couilles. Ils repop, mais ils font rien. Bon, tour suivant. Donc là, c'est extrêmement risqué tout ce que je fais. Hein. C'est extrêmement risqué hein, parce que je suis cul nu. Je suis cul nu. Je défends même pas mes villes.
Mais je vais pouvoir. Je suis en train de. J'espère réussir à faire de l'expansion rapide en fait. Là, j'ai déjà récupéré une ville en 3 tours. Oh, allez, m'attaque pas, m'attaque pas, m'attaque pas. M'attaque pas. Il m'attaque pas. Il m'attaque pas! Je vais aller prendre Mangalen. Je vais aller prendre Mangalen. Non, pas Mangalen. Je vais aller prendre Metrace, je veux dire. Voilà. Parfait. Là, j'ai une belle armée. Je vais pouvoir aller attaquer Metrace. Ça, c'est chouette, hein. Putain, ils sont où les... Y a pas des monts brumeux qui traînent encore? Les elfes qui passent par là? Je me rappelle plus où il est le bled ici. Oh là là, je ne sais pas. Je suis en train de me balader, mais je ne sais pas où sont les monts brumeux. Je ne sais pas où sont les monts brumeux. J'ai un autre diplomate normalement. Voilà. Les elfes, c'est mes alliés. Ouais, c'est mes alliés de base. Allez par le nord. Tirduin. On va installer des routes. Important les routes. Ou alors plutôt de la bouffe. De la bouffe. Toujours de la bouffe. Putain, 1,5. Ah oh, non, non, il faut que je fasse un Ranger's Hall. Oh, oh là 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 là, c'est catastrophique. Hein. C'est catastrophique tout ça. Je n'ai déjà plus d'argent. Tu as changé de ta version de mode? Non, j'ai toujours la 4,5. J'ai même pas le hotfix. Alors, j'ai recruté des troupes fraîches. Ça, c'est cool. Je vais envoyer un Dunedain là-haut à Ostsoul et on va commencer à mettre en place une petite défense. Parce que là, ça y est, j'ai plus d'argent. J'ai plus de thunes. Hein. Vous vous rendez compte? J'ai déjà plus d'argent. J'ai deux villes. J'ai que deux villes pourries. Pas rentables. Mais heureusement, j'ai perdu que 5 soldats depuis le début. Et je vais être. C'est sûrement. Ça doit être un des early les plus difficiles, les Dunedain. Tellement c'est ric-rac de survivre au début. Hop là. Ranger Hall. Alors ici, regardez. On a le siège en cours. Là, je vais aller attaquer, faire le siège de Maitreys. Qui est potentiellement une belle ville avec des murs. Voilà, donc 6 tours pour que ça se rende. Là, je vais les laisser sortir. Hein. Je ne peux pas me permettre d'attaquer. Ça serait tentant d'attaquer pour finir la bataille plus vite. Mais je vais prendre trop de pertes en attaquant. Donc je vais les laisser venir à moi. Je vais les laisser venir. Oh, les monts brumeux. Les monts brumeux! Est-ce qu'on se ferait pas un ceasefire? Hein, ceasefire? Voilà. Bon, désolé les elfes, hein, m'en voulez pas. I will be back. Mais là, je peux juste pas trop me permettre, en fait. Voilà. Donc là, dans un tour, on est bon. 4 tours là-bas. Lui, regardez, il faut surtout pas que. Putain, regardez la quantité. Je déteste quand vous jouez Brie et qu'on vous impose ces malus d'avoir ces stacks entiers de mecs. Ça me rend fou, quoi. Bon, ah, je passe en négatif dès le prochain tour. Tour 6, je suis en banqueroute. Pas d'argent, pas d'hommes et pas de bonne ville. C'est exactement ça. Pas d'argent, pas de bonne ville, mais j'ai des hommes. Et j'ai une excellente petite armée. Rappelle-toi, là, je vais déjà presque tripler ma surface en prenant deux bonnes villes. Voilà, avec des pertes à peu près acceptables. Première bataille. Là, c'est Aragorn en face. On va leur rouler dessus. Hein. On va leur rouler dessus. Bon, je suis en infériorité numérique, mais ça, avec les Dunedain, vous serez jamais en supériorité numérique. Hein. Et là, ils te déclarent la guerre au prochain tour. Qui ça? C'est quoi le but de ce run? Lulu le biscuit. Bah, c'est de jouer! C'est de jouer et de passer un bon moment! Peut-être montrer aux gens comment ça se joue. Peut-être faire un peu de l'or. Et voilà! C'est déjà pas mal, non? Bon, on va se mettre un peu de son. On va voir ce qu'il y a comme unité là-dedans. Est-ce qu'il y a des Sellsword? Est-ce qu'il y a des mercenaires? Infanterie lourde? Ah ouais, là-bas, 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 ça arrive. Ouais, ça serait bien de tirer, les gars. Oh, chop chop, hein. Ouais, il y a du Sellsword là-bas. Non, ça, c'est pas d'infanterie lourde. Ah merde, alors. Bon, il n'y a pas d'archer là-dedans. Non, ça, c'est du voleur. On va leur casser la gueule.
Ah, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. L'infanterie lourde. Donc, eux, c'est ma cible. Voilà, on va continuer à faire des pertes. On va les grignoter. Comme je dis, là, le but, c'est de... Gagner, c'est pas un problème. Le souci, c'est de prendre le minimum de pertes dans la bataille. Comme je dis, là, je vais peut-être en perdre 50-100. Ça va peut-être être trop, mais... À un moment, faut jouer, quoi. Ils ont déjà pris 10% de pertes. Là, on va commencer à avoir des dommages collatéraux avec les flèches. Je vais plus toucher. Ah bah, t'as pas de chance, hein. Normalement, les IA respectent les délais des traités de paix, hein. Ok, ça arrive. Il en a gros. Bon, j'ai les Dunedain avec les murs de boucliers. J'ai Aragorn avec la compagnie grise qui est remontée à 64. Ouais, là je vais prendre des pertes à cette bataille, mais c'est logique. Hein. Combien? 20% déjà, c'est pas mal. Allez. Tir en frontal. Là, je vais commencer à... Ouais, ça y est, je commence à me faire saucer. Allez, ça tombe. Allez, les gars. Une belle salve, là, à bout portant. C'est cadeau. Voilà. Oh là, ça y est, ça tombe. Allez, c'est parti. Allez, une dernière salve. Non, j'arriverai pas. Quoique. Allez, la dernière. Elle passe. Parfait. À l'attaque. Oh, il fuit déjà. Ça fuit déjà. Oh, on a eu le général, ça va tomber vite. Ça va tomber très très vite. On va essayer d'aller choper les archers là-bas. Oh là, je suis déjà à 7% de perte, 8%. Il y a tout qui fuit. Si j'arrive à faire un mouvement de panique généralisé et que tout fuit, il y aura une reddition immédiate des troupes. Faut juste que j'arrive à le passer. Salut Kaiser von Karstein. Voilà. Ce pseudo aussi, je te jure. Ah, malheureusement, ils vont réussir à se reformer avant que j'ai fini le merdier. Bon, c'est pas grave. Donc, avec un peu de chance. Allez, vas-y, s'il panique avant. Chope le. Oh, il se barre. Non, mais l'IA, non. Bon, ça sert à rien. Voilà, c'est bon, on l'a chopé. Voilà. Allez. Vas-y, rentre-lui dedans. Là, je poursuis pas. J'ai pas envie de prendre de pertes inutiles en rentrant dans la ville. On va ramener Aragorn en première ligne. Allez, sauce-moi ça. Ah, les bâtards, ils vont. C'est bon, allez. Voilà. Ça, c'est l'infanterie lourde, c'est où que je veux manger. Hein. 44. Je veux surtout éviter le cac contre l'infanterie lourde. Pour envoyer Aragorn leur casser la gueule, hein. Putain, 30, oh là là, je pensais que leur morale allait s'effondrer, mais pas du tout, hein.
Bon, malheureusement. Ah oui, la compagnie grise d'Aragorn est... Bon, là, ça fuit. Bon, j'aurais pris de la casse, malheureusement. Mais pour prendre une ville, ça vaut le coup. Bon, allez, on va envoyer les Dunedain dans le tas. Tant pis. C'est le pire scénario. J'aurais préféré que... réussir à tous rendre d'un coup. J'aurais évité pas mal de pertes, mais bah, des fois le jeu dit non. Et si le jeu dit non, bah le jeu dit non. Hein. Ah bah c'est bon. Ok, je prends. 73 morts. J'avais dit entre 50 et 100, donc ça va. C'est toujours trop, de toute façon. Avec les Dunedain, quand vous prenez des pertes, c'est toujours trop. Bon là, on récupère deux... Vous savez que depuis le début, là, j'ai déjà récupéré deux villes. Deux villes en 5 tours. Ou en 6 tours. Et je vais bientôt en récupérer une troisième. Le siège est en cours et c'est une belle ville, Maitreis. Même si elle est vide, il y a des belles infrastructures qui sont là. Vu que c'est une ancienne capitale, il y a déjà des murs et tout, facile à défendre. Voilà. Et ça, c'est un fort en plus. Voilà. Parfait. Ouh, et un nouveau général! Un candidat à l'abdotion, mais je prends. La quête pour un... Bah écoute, là, désolé, mais Aragorn, il a d'autres soucis, hein. Aragorn, il y a un peu d'autres soucis, là, hein, Pépère, ça va attendre un peu, hein. Combien de temps elle reste valide, la quête, Scoffron? On va aller voir les... On va aller voir les Dune Landings. Tarbard est ici. Et Nedway s'attaque le Gondor et là que c'est les anneaux. Ah, ça me ferait chier, mais si ça doit arriver, ça arrivera. Hein. Bon, parfait, j'ai eu un nouveau général, ça c'est cool. Non, est-ce qu'il y a Ferdor, Cardolan proper, ouais. Oh, je suis tenté d'attaquer tout de suite les Dune Landings. Hein. Je suis tenté. Hein. Dès que je sécurise mes traces, je leur tombe sur la gueule. Là-haut, ça a l'air d'aller. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. Au niveau financier, je suis toujours en négatif. Je perds de l'argent, mais je vais commencer à en regagner quand je vais capturer mes traces. Qui je peux laisser en gouverneur ici? Pas mal. Ah bah parfait! Bon gouverneur ça! On va aller commencer à mettre des tours de guet. Voilà! Tarbard! Pfff. Ah! Bon! Je vais éviter... Ouais, c'est la traque de Gollum. C'est toute la traque de Gollum. Mais... Aragorn est un trop bon général pour que je m'en sépare en fait. J'ai besoin de lui pour mon expansion en early game. J'ai vraiment besoin de lui pour mon expansion. Bon, pas mal. On a pris deux villes. On a Maitreis en cours de siège. J'ai fait la paix. J'ai fait la paix avec les monts brumeux. Visiblement, Fornost est toujours pas tombé. Par contre, là, les terres basses du Rodour, c'est qu'une question de temps avant que je vois se pointer des troupes d'Angmar. Mais pour l'instant, on est bien. Pour l'instant, on est bien. C'est un bon start. C'est un bon start, c'est parti. Ah, le son, j'ai oublié de couper le son. Voilà. Ouais, Tarbard, s'il y avait eu moins de troupes, à un moment, Tarbard va être allégé. Je vais essayer de bloquer l'extension du... Il va jamais laisser tout ce stack à Tarbard. Donc là, il y a encore beaucoup à manger, je vais continuer de manger. Je me rappelle plus où sont les villes dans ce coin. Il y en a une là. Une là. Ouais, on va faire ça. Yes, my lord. Putain, même... Ouais, ça, c'est chaud. C'est chaud. On va aller faire... on va être sympa. Voilà, allez.
Voilà, je récupère une unité gratuite. C'est toujours bon à prendre. Voilà, on va aller commencer à faire un petit corps d'armée au nord. Et avec Aragorn, on va continuer à se mettre en route. Relation, ouais, je sais, Dune Landings abyssimales. Écoute, je les emmerde un peu les Dune Landings, soyons honnêtes. Hein. Je vais aller voir les Ned Wace et peut-être proposer une alliance à Ned Wace. Et commencer à préparer le backstab. Parce que je vais leur casser la gueule. Hein. Je veux Tarbard. Je veux Tarbard et les villes sur la côte. Pour pouvoir. Pour mon commerce. Là, vous voyez, j'ai pas recomplété mes armées depuis le début. Hein. Par contre, là, j'ai un beau stack. Est-ce que je renverrai pas plutôt des renforts à Calomnia? Je me demande qui va m'attaquer en premier. Les Dune Landings vont me backstab. C'est obligé qu'ils me backstab. La question c'est qui va backstab en premier, les Dune Landings ou alors Angmar qui va envoyer une armée. Il me semble que de base j'ai des troupes de défense à Ostsoul, non? J'ai pas des troupes de garnison dans la ville? Si, non. Librairie, non, malheureusement je crois pas. The Watchtower. Non, j'ai pas d'unité en garnison. J'ai pas le premier niveau de garnison, fuck. Dommage. J'ai dû penser qu'Aragorn est un général du Gondor. Absolument pas. Absolument pas. Mais il a des revendications sur le trône du Gondor, en tout cas. Sans aucun doute. Bon, je perds encore de l'argent. Mais... c'est pas une catastrophe. Puisque j'ai des sièges en cours. J'ai encore des... je vais continuer à m'étendre. Ah, les elfes qui viennent m'aider. Coucou les elfes. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Regardez ce qui arrive. Une première armée d'Angmar. Nouveau général. Je prends. Alors là, je prends les généraux. Hein. Je vais immédiatement envoyer mes renforts. Voilà. Heureusement que j'avais des archers de près. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Putain, c'est une grosse armée qui m'amène là. C'est une grosse armée. Hein. Je vais aussi... bah attendez, justement, j'ai un général qui est là. J'ai un général, il va filer... ouais, mais si général... ouais, non, il faut que je commence à essayer de EP mes villes. Je vais envoyer des troupes à Ostsoul. J'en suis où, le siège, là? 3 tours. On y est presque. J'ai envie de cock-block les Dune Landings. Un sub ! Dregn, 26 mois! 26 mois! Pas mal! Merci, mec! Yes. T'es là depuis un bout de temps, Dregn, hein? Plus de 2 ans, hein? Presque, ouais, plus de 2 ans, putain! Alors, est-ce qu'il serait intéressé, vous pensez, par une alliance? Tread right? Allez hop! J'ai récupéré des alliés, ça m'intéresse. Voilà. Il me semble qu'il y a une ville ici. Mais je me rappelle plus. Dans ce coin-là, il y en a une. Au sud de Tarbard. La question c'est, est-ce que j'y arrive avant? Je vois pas sur la carte s'il y a des rebelles ou pas. Kaladir, c'est ici. Ah non, Kaladir, c'est là. Ah, visiblement, c'est toujours tenu par des rebelles. On va essayer. Ah, toggle faux! Est-ce qu'on triche? Est-ce qu'on triche? On va tricher. Vous m'excuserez, mais on va considérer que... on va partir du principe que Aragorn, qui est quand même là depuis 80 ans, il connaît le coin, d'accord? Hein? Ah, je pensais... allez, ok. Argand est entre les deux rivières. Regardez, il y a des villes à prendre, hein. Tout ça, c'est pas encore capturé. Karas Numeled, Cor Wilshire... on va essayer d'aller prendre Argonde pour bloquer l'expansion des Dune Landings. Et après, on va essayer d'aller sécuriser tout ça. Éventuellement, si c'est Enyad Wace qui le prend, c'est pas grave. Enyad Wace, je vais essayer d'en faire des bons alliés. On va essayer d'aller sécuriser Argonde. En combien de tours je peux y être? En 2 tours. Et il faudra faire attention à eux, là. Et sinon, bah, on est pas mal. On va pas trop aller regarder ce qui se passe ailleurs. Voilà. C'est juste pour voir où étaient les merdiers.
Hein. Bon, bah, j'ai plus d'argent. Je suis fauché, je vais être en négatif. Je vais être attaqué par Angmar, sûrement au tour d'après. C'est chaud. C'est chaud. J'ai... C'est chaud. J'ai... Je suis ric-rac, hein. J'ai pas de ville, pas d'économie. Je suis à flux tendu. Mais c'est le... C'est le fun. Il arrive, Angmar. Ok. Attends, où tu vas? Ok, c'est bon. Il se casse le nez sur le fort, parfait. Même s'il y a personne dans le fort, ça me va. Le roi du Rohan est mort. Alors ça par contre, c'est pas bon du tout. Oh putain, le roi du Rohan qui est mort dès le début. Oh merde, c'est pas bon ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Bon bah, on va continuer à descendre. Hein. Voilà. Normalement, au tour d'après, encore deux tours. On les a bien saignés là. Deux tours et on sera bon. Oh putain. Oh Moa, merci pour le sub. Ça va être chaud, ça va être chaud. On verra bien. Pour l'instant, le début est sport, mais c'est normal d'avoir ce genre de situation. C'est normal d'être en négatif avec les Dunedins. L'important, c'est d'avoir des armées et d'avoir du potentiel. Là, j'ai du potentiel. Donc, je vais continuer à m'étendre. Je vais continuer à m'étendre. Et tour 10, c'est parti. Ok, alors Angmar, est-ce qu'Angmar va m'attaquer? Visiblement, Angmar va pas attaquer, c'est parfait. Bon là, il y a du gibbon qui se balade. Ok. Allez, une nouvelle épouse. Ah, nain de Kazakhdoum, pas de bol, je suis du mauvais côté de la montagne. Donc cette mission, je peux l'oublier. Et eux, tu vas plutôt monter. Alors, Argand. On va faire le siège. Voilà. Je pense qu'à Argand, il y a un port. Il doit y avoir un port. Donc on va commencer à sécuriser des ports dans le fjord de Isen. Oh, regardez, il y a que du brigand. De la racaille. On va dégager tout ça. Hein. Là-haut, le siège est presque fini. Encore un tour et on aura bataille. Pas mal, hein. Alors, Angmar a mis les voiles. Ou alors, ils sont dans le bois. On va pas prendre le risque, hein. 1500. Je perds beaucoup d'argent, mais je vais bientôt récupérer Maitreis. Et Argand. Donc, mon pari est en train de payer, hein. Ça valait le coup d'avant de pas partir vers le nord, comme je l'ai toujours fait, et de me focus sur le sud et de sécuriser les provinces du sud. C'est parti. Je pensais que peut-être les Dune Landings allaient le faire avant moi. Mais ça me permet aussi de bloquer les Dune Landings. Et potentiellement de sauver le cul de Enyad Waste en early game. Ouais, ouais, je vais faire gaffe. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Il y avait une armée de... Retraite, bien sûr que non. On va la faire. Une retraite, et puis quoi encore? Et puis quoi encore, retraite? On va aller dans un coin de carte. Hors de question. Et le brouillard en plus, hein. La totale, hein. Quand le jeu veut pas, le jeu veut pas. Bon, on va aller se mettre sur le coin là-bas. Voilà. Parfait, ok. Hop. Ma troupe est pas nombreuse. Mais c'est une belle petite troupe. C'est une belle petite troupe. On va aller voir un peu ce qu'il y a en face. Tout ça, c'est du léger. C'est de l'infanterie légère, j'en ai pas peur. Ça, je vais les ouvrir. Il y a que du léger. Ouais, c'est que de la piétaille, que de l'infanterie légère.
Je vais en faire de la compote. Le souci, c'est là-bas. C'est l'armée qui était assiégée qui, eux, ont... Vous les voyez, l'infanterie lourde, là? Ça, c'est des hacheurs d'élite. Le reste, c'est que de la piétaille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais possiblement économiser mes flèches. Économiser mes flèches au début. Parce que... Parce que je veux tirer sur les archers, les hacheurs lourds. Bon, en plus, leur armée vont arriver séparées, ce qui est parfait. On va mettre un mur de bouclier. Voilà. Là, Aragorn, il va bosser. Hein. 66 infanterie lourde. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de général non plus en face. J'ai envie d'aller leur casser la gueule. Hein. Juste d'aller les chercher et d'aller leur casser la gueule le plus rapidement possible. Pour éviter qu'il fasse la jonction avec son pote. Regardez, on va faire ça. On va aller les chercher. Hein. Voilà. On va essayer de... Voilà, parfait. Là, je vais engager le combat. Je vais les forcer à venir me chercher. Parce que là, ça me ferait chier que les deux armées soient ensemble. Donc on va forcer l'engagement avec... Voilà, parfait. Voilà, c'est que de la piétaille. Voilà, maintenant, c'est bon. Coucou, les gars! Ouais, les sentinelles de Carnolan sont des... sont de l'excellente infanterie légère, qui en plus sont des archers. Donc c'est une très très bonne unité. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'unité-là. Moi qui suis pas fan des unités trop spécialisées en archerie, ça vous permet de faire des combos et de faire des chouettes compos, en fait. Allez, venez vous battre, les losers! Non, on va même pas y aller. On va se replier. Voilà. Donc, si on... Allez, une. Oh là là, oh là là. Mais je déteste quand les archers... refuse un peu les ordres parfaits. Donc ça va s'effondrer très vite tout ça. Ça va s'effondrer très vite tout ça. Bon allez, on va aller au cac, tant pis. Hein. On va juste préserver mes archers. Le mur de bouclier, il va tenir. Il y a deux unités dessus. Ça fuit déjà. Ça fuit déjà, regardez. Il n'y a pas de morale là-dedans. C'est ça qu'il faut pas avoir peur de prendre ce genre d'engagement. Même si vous êtes donné à 1 contre 3, vous les mangez là. Sans problème. Regardez ça. En plus, il est sur le bord de carte, donc il va fuir tout de suite. C'est cadeau. Voilà. Ah, c'est du brigand, hein. C'est de la très mauvaise infanterie légère. Hein. Voilà. Bon, il y a les autres qui arrivent. Ça va aller le coup de se débarrasser d'abord de celle-là. Donc ouais, eux, c'est les méchants. Ça, c'est bobo. Hein. Ça mange Aragorn. Hein. On va essayer de saucer ça à coup de flèche. Voilà, il y a tout qui fuit, parfait. Attendez, est-ce qu'on lâcherait pas une petite volée dans leur dos là? Juste une petite volée, regardez. Comme ça, ils me montent leur dos. On va essayer de faire casser le moral. Hop! Hop! Voilà! Voilà, parfait. Là, ça va paniquer. Voilà, ça panique tout de suite. Excellent. Allez, on est bon. On récupère l'infanterie. Aragorn qui vient leur casser la gueule. On récupère les sentinelles de Carnolan. Voilà.
Oh non, non, arrête. Vous pouvez pas faire ça. Genre, un coup d'épée malheureux. J'en ai déjà perdu des chefs de faction comme ça. Parfait. Bon, on va pouvoir aller chercher les autres. Quoique, ils vont venir de toute façon. C'est eux qui m'ont engagé. Ah ouais, la compagnie grise, c'est de l'élite, hein. C'est de l'élite lourde. Et là, je suis en train de faire de la bataille, ce qui fait qu'ils sont en train de prendre beaucoup d'XP. Attendez qu'ils soient triple graton or, et on sera bien. On sera très bien. Ah, si on a telle la poisse, la malchance, ça fait partie du jeu, hein. Mais quand vous perdez des généraux, généralement, vous êtes responsable. C'est que vous avez peut-être fait de la merde avec, ou vous avez pris trop de risques avec. Et ça, moi, je suis très joueur. Heureusement, à Empire, ils survivent bien moins bien qu'à Medieval 2. Ouais, Aragorn, il a du PV, hein. Il meurt pas comme ça, Aragorn. Mais j'ai déjà perdu des chefs de faction très stupidement sur des sièges où ils voulaient plus décrocher et je pouvais plus l'aider. Et j'ai assisté à sa mort, là. J'étais un peu salé, quoi. Bon, attendez, là, les gars. Ah, c'est bon, ça fuit. Parfait. Bon, bah, on va remettre en place le même dispositif que tout à l'heure. Voilà. Et on va attendre que l'autre loustique, il vienne nous chercher. Voilà. Allez, hop. Vitesse x6. Il devrait pas tarder à arriver. Ouais. Allez, venez, les gars. Donc, c'est encore du brigand. C'est encore du brigand. Non, 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 tire pas. Laissez se barrer. Économisez vos flèches. Il se fatigue pas à rester en shitwall. Pour l'instant, ça va. Je sais pas s'il y a des malus de fatigue. Je sais qu'il y a des malus de déplacement et de mobilité. Ok, ça arrive. Ça arrive. Alors là, on va tirer. Non. Oui. Non, je suis encore un peu loin. Il n'y a pas d'archer là-dedans, ce qui est chouette, hein. Tant qu'il n'y a pas d'archer, moi... Là, on empile du cadavre. Putain, potentiellement, je vais récupérer deux villes à ce tour. Deux fucking villes. Ça serait énorme. Là, je suis pas encore à distance de tir. Je viens par l'être. Putain, si je peux réussir à leur faire... à battre l'armée avec un minimum de pertes... Ça y est, je peux tirer dessus. C'est parti. Bon, là, c'est l'infanterie lourde, la cible. Hein. Voilà, taper dans l'infanterie lourde. Il faut que j'arrive à les tomber à moins de 100 avant le cac. Allez, ça arrive. Voilà, ça commence à arriver. Normalement, ça résiste pas forcément bien aux flèches. Ouf. Ah ouais, il rush, ça y est. Allez, vas-y, passe dans tes potes. Passe dans tes compotes. Ouais, les rangers ont une meilleure portée, absolument. C'est bon, ils sont restés derrière. Oh, ils paniquent déjà. Ils paniquent déjà. Ça panique déjà. Ils sont nuls à chier. Ils sont nuls à chier. Bon, ils sont déjà plus que 82, hein. Ils se sont fait décimer la gueule, hein, l'infanterie lourde, hein. Mes archers sont impitoyables, hein. Les archers des Dunedain sont excellents. Ils sont nuls. Ça va faire de l'XP facile pour mes mecs. Oh putain, le friendly fire. Oh, c'est bon. Putain, ce qu'ils prennent. Oh là là. Ils sont plus que 66. Ah, oh, bah, je m'en sors bien. Ah, et le moral qui lâche. Ok, parfait. J'ai un peu... J'ai la pente pour moi. Oh là là, attention à Aragorn qui prend cher. Ok, je vais arrêter de tirer d'une unité et on va amener des renforts à Aragorn. J'ai pas le droit de perdre Aragorn. Attaquez, putain! Je déteste quand l'IA. Allez, voilà!
Allez! Voilà, ça va peut-être faire fuir. Voilà, ça fait fuir. Parfait. Ok, ils sont plus que 34 en face. Voilà, il y a tout qui fuit. Aragorn a pris cher quand même. Il a pris cher, Aragorn. Bah non, mais tout ça, c'est la racaille de Cardolan, là. Il faut qu'on leur rappelle c'est qui le patron. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais on va y arriver. Allez, là, mes archers sont en train... En tout cas, leur unité d'infanterie lourde, ils sont plus que 22. On les aura bien saucés, hein. Ah, tout à l'heure, ils s'étaient effondrés au niveau moral, mais ça n'a pas été une déroute, hein. Ok, alors là, je vais commencer à... Un là. Vous en avez assez de ces racailles. On va reformer le royaume d'Arnor, madame. On va passer toute cette vermine au Karcher. Ouais, je vais être à 20% de perte, malheureusement. Ok, si ça fuit... Aragorn aura pris cher, hein. On n'est pas sur nos généraux elfes, hein. On n'est pas sur les généraux elfes, hein. C'est pas la même, hein. Fini mes armées de Noldor, là. Va falloir que je me réhabitue à faire attention, hein. Ok, attention, Friendly Fire, c'est bon, ça, c'est bon, c'est bon, ça va paniquer, ça va craquer tout ça. Ça va craquer tout ça. Voilà, allez, on la continue juste pour massacrer le maximum de monde. Juste pour massacrer, hein. Ça, c'est les mecs de la garnison. Si j'arrive à suffisamment les bolosser, ça va se rendre. Et je pourrais peut-être prendre la ville à ce tour. C'est cher à recompléter. Non seulement c'est cher à recompléter, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où les recompléter. Chaque unité a un secteur géographique. La rançon, non, là, je ne rançonne pas, c'est des brigands. Là, je veux la ville. Ou là, je vais essayer d'en tuer le plus possible avant qu'ils rentrent se planquer en ville. C'est pas une faction facile à gérer, logistiquement parlant. On va dire ça comme ça. C'est une faction bien merdique, on va dire. Par contre, il y a des très bonnes unités. Oh là là, ce que je lui mets. Allez, massacre tout. Massacre tout. Oh, un régal. C'est Aragorn, ça? Oh, c'est Aragorn, putain. Ils sont taillés au sprint, la Grey Company, hein. Voilà, allez, rentrez-moi là-dedans. Magnifique. On prend tout. Oh, le Gondor est correct. Il y a des bonnes unités dans le Gondor, hein, les gardes de la fontaine et tout. Ils ont de la bonne infanterie lourde correcte. C'est pas dégueu le Gondor. C'est presque top tier. Mais c'est pas top tier. Bon bah on a fait le ménage. Ça y est. Bon, j'ai pris de la casse quand même, hein. 94 morts. Mais c'est un bon ratio. C'est un bon ratio. Ça valait le coup de faire la bataille. Ça valait le coup de faire la bataille. Ah, oh, moi j'aime bien le Gondor, hein. J'aime beaucoup le Gondor. Alors moi qui suis pas un joueur de cave, justement, j'aime bien le Gondor parce que bah ils ont de la bonne infanterie, le Gondor, hein. Avec le Gondor, je fais des miracles, moi. Ah, c'est sûr que après tu me donnes le Rohan, là je vais commencer à galérer, quoi. Je rote du sang avec le Rohan. Mais j'ai déjà fait des très bons runs avec le Rohan. Des très très bons runs. Le Rohan est une faction qui est bien placée géographiquement et tu peux très tôt réussir à changer l'écosystème de la Terre du Milieu. Allez, on prend Argand. Oh non, me dis pas que l'autre va... Oh mais fils de pute. Bon bah je vais me débarrasser des deux en même temps. Je vais me débarrasser des rebelles. Je vais prendre deux villes dans le tour. Oh là, et là, j'ai presque la supériorité numérique. Oh, je vais leur casser la gueule, hein. Là, j'ai une armée. Attention, hein. Par contre, attention, il y a de la cavalerie lourde. Il y a de la cavalerie lourde. Enfin, je fasse attention à la cave, hein. Ouais, full cave, moi ça me dérange pas, hein. C'est un peu plus de micro, c'est pas trop mon style de jeu, mais si, quand il faut, il faut. Hein. Une tier list, oh non, moi les tier list, c'est bon. Tier list. Je vais faire une tier list de tous les cons du chat. Ça serait pas mal ça, hein, qu'est-ce que t'en penses? Il y a du potentiel, hein.
Streamer inclus. Streamer inclus, hein. La totale, hein. Bon. Là, vous voyez que j'ai... Ah oui, c'est vrai que j'ai l'infanterie Artenen, des Artenens. Donc ça, c'est du full mur de bouclier, c'est excellent. Ça, c'est du Steel Bowman, du Nedain Bodyguard, du Nedain... Ah, c'est une belle armée. J'ai même des brigands en Mercos, c'est parti. Bon, ça va arriver par le flanc là-bas. Normalement, ça, c'est l'armée assiégée. Voilà, ils ont la cave. Mais eux, j'aurais déjà fait bobo. On va saigner les brigands. C'est de l'orc. C'est de la piétaille orc. On va les éclater. On va les éclater. Les orcs, c'est cadeau. Tant mieux, parce qu'après, ils m'auraient peut-être fait chier à rester dans la région. Donc si je peux me débarrasser d'eux assez rapidement. Faut que je fasse attention à la cave là-bas. D'ailleurs, je vais leur envoyer mes brigands. Brigands contre brigands. Allez, censez-moi tout ça. J'aurais presque envie de faire... Attendez, pause, je me rappelle plus. Les Dunedin Bodyguard sont à 20 def. Et les Steel Bowman sont à 20... Non, attends. C'est les mêmes ? Ok, d'accord, les Dunedin Bodyguard, c'est des Steel Bowman, en fait. Ouais, c'est ça, quasiment. Ouais. Allez, on va attaquer. On va lever le mur de bouclier, vous savez. On va lever le mur de bouclier et on va bourriner avec tout ce qu'on a. On lève la formation, tout droit. On va être très stupide. On prend les archers. On va se réorienter pour faire face à l'autre. Et on attaque. Voilà. Et on va venir encercler tout ça. Et là, c'est mes brigands qui se font manger, ce qui est parfait. Vu que c'est des brigands. On va essayer de faire fuir tout ça. Ah, ils sont bons dans la brotte, c'est pas de la merde. Voilà, elle est magnifique, hein. Voilà. Putain, si je prends deux villes à ce tour. Oh là 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 là, c'est bon, ça. Est-ce que ça fuit? Non, ça fuit pas. Si ça fuit, ça fuit, ça fuit, ça commence à fuir. Voilà. Allez, mange-moi tout ça. La mitraille pour la canaille. Là, évidemment, c'est de la canaille rouge, hein. C'est leur couleur rouge là d'écran. Bon, on va pas me blâmer, hein. Ah ouais, mais c'est von Karstein, pareil. T'as moyen d'avoir 3-4 généraux de cavalerie lourde au début. Tu te régales. J'avais un peu galéré parce que c'est pas trop mon style de jeu, mais je m'étais régalé à faire une campagne. Bah avec 4 généraux et une unité de cave. Putain, mais tu dévastais absolument tout, quoi. Oh, la cave lourde d'early game. Oh là là, moment, qu'est-ce qu'elle fait mal. D'ailleurs, on va peut-être se réorienter ici pour profiter de la colline. Voilà, comme ça. Ce qui me permettrait d'être un peu plus bas. On va remettre les murs de bouclier. Voilà. Merde. Pépère, chop chop là. Voilà. Les brigands derrière. Attention à la cave, allez où la cave. Allez là-bas la cave. Cave lourde, enfin je fais attention à eux. Ouais, j'aime beaucoup dans la brotte. C'est de la bonne unité. Mais dans la brotte, ça peut vite tourner. Ça peut vite tourner au désastre. Vu le placement géographique, tu peux très vite te retrouver
écrasé par le nombre, en fait, de ce qui t'arrive dans la gueule. Sans compter que, t'es... Faut très tôt aider des Mordor et tout. C'est pas un placement... c'est pas une campagne forcément facile. Ah, des piquets à Radrine, ça c'est dur, hein. Ça c'est dur quand ça arrive, hein. Bon, c'est beaucoup de missiles. Je vais envoyer ma piétaille taper dans les... Mes brigands taper dans... Attention à la cave. Allez où la cave de merde, elle est dans le bois, allez là-bas. Allez là-bas. Ils ont 45 quand même cavalerie. On va faire attention. Tapez plutôt dans l'infanterie, hein. Tape dans l'infanterie, pépère là. Tape dans l'infanterie. Oh, attends. Ça y est, je peux tirer sur la cave. La cave en priorité. Si je peux me débarrasser de la cave. Aïe. Ils arrivent. Je vais lever un mur de bouclier. Ouh, j'ai eu un général ennemi. Ça, je prends. Ok, c'est bon, la cavalerie va être bloquée par la charge. C'est bon, je leur ai enlevé pas mal de troupes. C'est bon. Allez, au revoir. On va même lever le mur de bouclier ici. Et on va aller aider mes troupes. Hop. Allez, les gars. Bougez votre boule, là. Dans la boîte, t'es indépendant. Oh, c'est dommage de l'avoir indépendant parce que c'est quand même. Ça fait un peu vassal de. Vassal de, du Gondor. Allez, on va essayer de casser le moral. La petite charge dans le dos. Allez, messieurs. Voilà, moral de merde, ça fuit. Alors, eux, il faut les abattre. Hein. Eux, faut les abattre. C'est eux qui sont en garnison dans la ville. Plus j'en tue, mieux c'est, hein. Allez, là-bas, on les sauce. Parfait, la cavalerie, elle tombe. Voilà, y'a tout qui fuit. La cave, elle aura rien fait. J'en avais un peu peur, mais c'est bon. Voilà. Hop, voilà, allez, on panique, c'est bon. Ouais, c'est une principauté dans la Motte. C'est une principauté très proche du Gondor. Bon, bah parfait. Allez, vitesse x6. Tant pis si je fais un peu de friendly fire. On va essayer d'en tuer le plus possible. On va continuer la bataille. Hein. On va continuer la bataille. Oh, je vais éternuer. Putain, pardon. Ah. Bon, on a fait le ménage. On a fait le ménage. Je vais récupérer 2 villes à ce tour, putain. C'est génial. J'ai fait une sacrée affaire. Donc moi, ouais, j'avais jamais tenté ce gameplay-là avec les Dunedain. Et peut-être à court terme, c'est en train de payer. J'ai perdu 200 mecs. J'ai récupéré Maîtresse, donc qui est l'ancienne capitale du royaume de Cardolan. Qui est déjà une belle ville. Gesundheit. C'est un tessou en allemand, ça. Hein? Gesundheit. Bitteschön. Il me semble, en tout cas. Bon, non, je dois te dire danke et tu me réponds bitte. Oh, en même temps, là, les Allemands... Allez, on a pris Maîtresse. Allez, on occupe la ville. Donc j'ai pris Argand et Maîtresse. J'ai pris les 2 villes. Regardez les finances. Je continue de perdre de l'argent. Putain. Ah là 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 là.
Bon, là j'ai beaucoup trop d'hommes en garnison. On va pouvoir récupérer. On va garder le brigand. On va baisser les impôts à Maitreis. Voilà, ça va me taxer le du vide. Et il me semble qu'il y a une ville ici. On va pouvoir les sécuriser. On pourrait peut-être prendre deux troupes de Cardolan. Voilà. Oh, je peux même pas lever de la tour de guet. Je suis trop pauvre. Je suis trop pauvre. Bon, on a pris Argonde. On a pris Maitreis. On va peut-être prendre les brigands pour finir. Voilà. Et on va continuer à les conquérir. Vous savez quoi? En 11 tours, j'ai récupéré 1, 2, 3, 4 villes. 4 villes. Ça vaut le coup de faire ce move. Je sais pas si sur le long terme ça va payer, mais pouvoir lancer de l'économie dès le tour 10 et investir maintenant dans ce qui va être des belles villes, je pense que c'est un bon pari. On va voir. J'ai jamais essayé. D'habitude, je pars toujours vers le nord. Je pars toujours me poser sur Anuminas et Fornost. Donc là, j'essaie autre chose. De faire Ossoul en barrière. Et regardez, Angmar a toujours pas pris Fornost. Ça me va bien, moi. Si ça peut rester comme ça le plus longtemps possible, je suis preneur. Hein. Ça va me laisser du temps. Ça va me laisser du temps pour investir. Bon, tour suivant, c'est parti. Je vais couper le son. Voilà. Hop là. Hop. Hop. Quelle heure il est? Faut que je t'envoie l'heure. C'est bon. Tranquille. Le problème, c'est que ce sont des villes vides. Il y a du potentiel économique en termes de placement, mais c'est des villes vides. Il va me falloir 30, 40, 50 tours pour avoir des bonnes villes très productives. Sachant que Tarbard est la ville la plus importante du coin. Qui va à un moment... Oh, un nouveau général, je prends. Oh, et en plus, il a popé... Oh, oh là là, le Hornburg est déjà assiégé. Oh là là, c'est pas bon tout ça. Le Rohan est en train de se faire rouler dessus, ça se trouve. De façon industrielle. Bon, bah là, parfait, on a un nouveau général qui est arrivé. Est-ce que je pourrais pas dégager Aragorn? Mais si, allez hop. Voilà, on rejoint l'armée. C'est parti, et on va continuer la conquête. Je crois que la ville est là, il y en a une autre là-haut. J'ai encore deux villes à prendre. Deux villes. Alors ouais, je suis fauché comme les blés, hein. Regardez, je perds de l'argent. Mais, potentiellement, à un moment, à force de prendre des villes, ça va finir par passer au positif. D'ailleurs, regardez. Oh, ça serait tellement osé de faire ça. Ça serait tellement osé de faire ça. Est-ce qu'il y a des troupes d'Angmar? Il n'y a pas de troupes d'Angmar. Est-ce que je ferais pas ça? Dans le fort, pour économiser? Oh, j'ai pas le droit de faire ça. Oh, voilà. J'économise 400 de thunes. Je grid, messieurs. Je grid à mort. Ah, voilà, 400. Mais avec les thunes d'un, 400 de thunes, c'est 400 de thunes. Je vais perdre ma ville comme une merde. Pourquoi tu économises quand tes unités sont pas en garnison? C'est pas censé être l'inverse. Bah là, mes unités sont pas en garnison, figure-toi. Donc là, je les ai mises dans un fort où elles sont automatiquement en garnison. Donc j'économise 2 salaires. Yes, my lord. Yes. Oh, regardez, Karas Nurnoled, mon prochain objectif. Hein. Avec Aragorn, on va aller prendre ça. Grâce à mon move de PGM, je suis en train de repasser en positif. Et je vais tellement grider que je vais aussi mettre l'archer. Je ne laisse aucune garnison à Ostsoul. Putain, s'il y a un mec d'Angmar qui arrive par là, je suis dans la merde. C'est pas bien ce que je fais là. C'est totalement stupide, hein. Mais j'économise 600 de thunes. Presque 600 de thunes. 600 de thunes, c'est beaucoup pour moi. C'est vraiment beaucoup, 600 de thunes. Éventuellement, Tyrdwin, si je laisse vide. Ouais, on va amener une troupe. Je vais amener un général à Ossoul. Je vais amener un général à Ossoul et je vais laisser Tyrdwin vide. On va faire comme ça.
C'est la banqueroute, mais bien sûr que c'est la banqueroute. Je joue les Dunedain, hein. T'es tout le temps en banqueroute avec les Dunedain. Bon, on va aller récupérer cette nouvelle ville au nord, c'est parti, tour 14. Risky move, bien sûr. Mais bon, c'est comme ça qu'il faut, jouer aussi, hein. C'est que des petits détails qui font qu'on arrive à faire de l'écho en early game. Donc là, je vais essayer d'aller récupérer 7 villes au total. Si j'arrive à stabiliser 7 villes avec les Dunedain, je vais être explosif. Mais c'est pas dit que j'arrive à les stabiliser. Kerandros sous attaque, d'accord. Ça commence pas bien pour les forces du bien, hein. Bon bah là on va aller refaire un siège, c'est parti. Voilà, 4 tours. Y a quoi? Ah ou Elder Gilderman, c'est des méchants ceux-là. Ceux-là sont méchants. Je pense être capable de repasser très fort en positif quand j'aurai pris cette ville. Voilà. Regardez ça, je suis presque. Je fais 600 bénéfices par tour. Regardez. Je vais faire ça. Ah non, là, je peux pas, malheureusement. J'ai pas d'argent. Les Dune Landing sont busy ailleurs. À un moment, les Dune Landing, ils vont m'attaquer. Ils vont m'attaquer. Et quand ils vont m'attaquer, je vais prendre cher. Ça, c'est un diplomate. Ouais, c'est un diplomate. Je vais aller voir les nains pour essayer de faire une alliance. Et je vais continuer à descendre dans le sud. Pas de désertion. Eh non. On n'est pas dans Empire, par exemple. C'est pour ça que tu peux faire sans problème des banqueroutes dans Mètre 2. T'as pas de malus au niveau de tes troupes. Ce qui permet de faire des gros exploits et de tomber à moins 40, moins 50 000 sans aucun problème. C'est un gros pari à faire. Quand tu pars dans le négatif, il faut que ce soit rentable d'une façon ou d'une autre. Donc tu prépares une grosse expansion d'aller prendre 3-4 villes. Mais il faut pas que tu sois avide dans le rouge. Tiens, regardez, il m'attaque! Je vais pouvoir prendre ma ville à ce tour-là! Merci, Lia! Allez, venez voir Aragorn. On va rigoler. En plus, je me débarrasse de brigands. C'est parfait. Pourvu que les nains ne trahissent pas. Ça va être le... Ça va être casse-couille si les nains trahissent. Et surtout s'ils attaquent les elfes. Allez. Là, j'ai une belle petite armée. On va se faire plaisir. Voilà, troupe mixte. Bon, je suis un peu léger en infanterie. Du mur de bouclier. J'ai les brigands qui sont parfaits pour aller au suicide. Aragorn. Avec la compagnie grise. Ça va faire poum poum tout ça. Allez. Ça arrive par derrière, là-bas. Et en face, là, c'est du brigand. C'est bon, ça, c'est du gibon, ça. C'est du singe de grand chemin. Ça coûte à peine... Ouais, ça vaut même pas le prix de mes flèches, vous voyez. Mais tant mieux, parce que comme ça, je fais le ménage. C'est eux qui m'attaquent. Je fais le ménage. Et ça me permet de prendre la ville en un tour, plutôt que de les forcer à faire une sortie au bout de 4. Donc ça m'arrange énormément. Voilà, allez, on sauce tout ça. Meurs d'un coup de couteau. Putain, les gars, vous fantasmez sur Aragorn qui meurt. Ça va pas arriver, hein. Mes généraux, je sais à peu près les gérer, hein. Rappelez-vous, le run elf, j'ai perdu un général de tout le run. Et il aurait pas dû mourir, c'est moi qui ai fait de la merde. Donc je peux vous dire qu'Aragorn, je vais pas le laisser crever comme ça. Enfin, j'espère. Des fois... Un peu de malchance. Oh, putain, l'armée, elle arrive par derrière, là-bas, elle est encore loin. Ok, ça, c'est les... Oh, putain, c'est du... Ouais, c'est du Sellsword. Là, il y a du... Ouais, il y a du monde, quand même, hein. Va vite falloir que je me débarrasse de l'autre, hein. Allez, Aragorn, chop, chop. Allez, Aragorn. Allez, regardez, la compagnie grise. Boum! Oh, ils vont les découper. Hein. Voilà. Le but, c'est de me dépêcher de tout prendre. Allez, cessez le feu. Voilà. Et on va se préparer à recevoir les autres. Sur la colline là-haut. C'est parti.
Harvey. Ah, Harvey. Bon, après, le Mordor, c'était pas facile. C'était pas... Le Mordor, c'est pas facile, hein. Les généraux, ça peut mourir. Je pense que j'ai... Je sais pas si j'ai perdu que Harvey. Je pense que j'ai perdu plus de généraux que... Ouais, oui, bien sûr, oui, j'ai même perdu le roi sorcier d'Angmar et tout dans le siège de Minas Tirith, je me rappelle. Bon, en tout cas, là... Regardez, Magri Compagnie les a déjà mangés. Ils les ont déjà mangés. Non, mais si Aragorn n'arrive pas à manger des bandits de l'infanterie légère, c'est bon. Il y aurait de l'infanterie lourde en face, perce armure, je serais pas aussi fou. Je la mettrais en deuxième ligne et sur des flancs où je suis en train de grignoter. Mais là, en face, c'est de l'infanterie légère. C'est de la merde. Donc ouais, je fais un peu plus le bourrin, sans aucun doute. Ah, et là, il va tout faire paniquer, Aragorn. Même pas. Bon, là-haut, ça va commencer à saucer. On va taper dans les Sellsword. Ça y est, ça fuit, ça fuit, ça fuit. C'est la panique. C'est le sauf qui peut, général. Allez. Hop. Allez, Aragorn. On va les bolosser. Guildo est mort tragiquement à mon grade. Ah oui, absolument, le Paul Marc. Bien vu. J'avais aussi perdu Gildor là. Ouais, malheureusement, ça c'était une bataille de merde où. Bah, j'avais pas trop le choix. Ça, c'est pardonnable. Par contre, celui que j'avais perdu dans un combat stupide que j'aurais jamais dû perdre, ça me fait chier par contre. Perdre des généraux elfes en début de game, t'en as pas beaucoup. Bon, le pire c'est perdre Círdan. Hein. Círdan. C'est niette, hein. Vous avez pas le droit de perdre Círdan. Hein. Si vous perdez Círdan, vous pouvez rage quit et relancer le jeu. Et relancer votre run. Hein, parce que Círdan décide beaucoup de. Bah, de. Du fait de faire un bon run, quoi. Si vous avez plus Círdan, vous êtes dans la merde. Merde, là, le problème c'est que là. Aïe aïe aïe, j'ai peut-être fait du caca. J'ai peut-être fait du caca. Il y a les lumbers qui sont là-bas. J'ai pas envie de me mettre Aragorn face à du perse armure. Voilà, allez, venez vous battre les losers! Voilà! Les Sellsword, disons, je prends beaucoup de pertes. Là, il y a les Guildsmen. Voilà, pas mal! Ça fuit déjà! Oh, mais les brigands, c'est qu'est-ce que c'est de la merde! C'est vraiment de la merde, hein! Tellement de la merde que là. Oh, je suis en train de les saucer. Bah, hop. Aragorn. Ouais, mais là, le problème, c'est que je veux pas qu'ils s'enfuient, moi, ces mecs-là! Revenez! Aragorn, poursuis-les! Poursuis-les! Le but, c'est d'en tuer le maximum. Il faut que je prenne la ville. Donc, faut pas qu'ils fuient trop vite. Parfait, ça vient en cac. Voilà. Allez, on va aller attaquer les Guildsmen là-bas. Salut Fonyozen, passe une bonne soirée. Voilà, allez, on nettoie tout. Putain, Aragorn qui est en train de bolosser toute l'armée de notre côté. Bon, bah, j'ai perdu mes brigands, mais c'est pas grave. Ils étaient là pour ça. Les braves. Tiens, on a eu le général, parfait. Il reste combien de mecs par tour, la compagnie d'Aragorn, mais il régène. Alors en fait, il faut qu'il soit en ville pour régénérer. Il faut qu'il soit en ville, il régénère pas en campagne. Voilà, on fait le ménage, on fait le ménage. Voilà, on va capturer tout ça.
Même si je sens finalement il doit tomber comme c'est des brigands. Bonne question, mais dans le doute, je préfère... Je suis jamais sûr, en fait. Selon les Total War, j'oublie. Il y en a où c'est le cas, d'autres pas. Donc, dans le doute, je préfère tous les... Voilà. Ça me ferait chier de devoir relancer une bataille de siège à la con. Juste pour ça. Ah, putain, ils se sont reformés, c'est une blague. Voilà, c'est bon. Tout fuit. Sur celui-là, c'est le cas. Ok. Bah écoute, je vais te faire confiance. Je vais quitter la bataille. Et je te banne si je prends pas la ville, d'accord? Non, je déconne, c'est pas grave. Ça vaudra le coup de tester. Normalement. Il me semble, hein. On va voir. On va voir. Bon, normalement, avec cette ville, là, je vais être bien en positif. Je vais commencer à gagner de l'argent. Vous vous rendez compte? J'ai... Ah bah oui, je pense que t'avais raison. Verse. Voilà. Encore une ville de prise. Regardez, je viens de repasser en positif. Je viens de repasser en positif. Je fais de la thunasse. Je fais de la thune, messieurs. Presque 1000 par tour. Presque 1000. Et on va continuer. On va reprendre Aragorn. On va baisser les taxes. Regardez, mais il y a 150 habitants. Mais oui, j'ai récupéré des villes. Mais certaines de ces villes... C'est vraiment de la merde, hein. Bon, là, on va filer plein nord. Et on va aller... Regardez, il y a une autre forteresse, là. On va aller prendre tout ça. C'est un pari osé de faire ça. Mais j'ai commencé avec 2 villes en 15 tours. J'ai récupéré 2, 3, 4, 5, presque 6 villes. Tu peux mettre des tours de guet. Ouais, je vais mettre des tours de guet. Ouais, je vais mettre Chouan. Je vais mettre Chouan en guet. T'inquiète pas qu'il va, il va faire le boulot. Hein. On va faire ça. Voilà, une petite tour de guet ici. Parfait. Enyad Weiss, c'est mes alliés, donc c'est bien. Maintenant, Enyad Weiss, ça va être un bon allié pour taper les Dune Landings. On va mettre une autre tour de guet là-haut. Yes, my lord. With honor, voilà. I'm positioned to launch a cowardly ambush. Parfait. Là, j'ai une... Voilà. Et une autre tour de guet. Your orders, my lord. Yes. Là-haut. Pour, au cas où Angmar... Voilà. Ah, à propos de Guéluron, vous êtes plein. Toi aussi, je te donnerai une lanterne avec Chouan. Je te mettrai une petite jupette, là, je vais te trouver du travail. Yes. À Tarbard, là. Regarde, il y a des mecs virils, tout ce que t'aimes. Bon, 937. Je commence à gagner de l'argent, tour 15. Oh, le son! Le son, le son! Ça vaut un copyright claim, ça, je pense. Hein. On va voir. Tant que je suis avec Chouan, ah bah oui, ah forcément, t'es pas très difficile. Bon, pas mal. Ouais, Angmar, généralement, il passe par le nord, mais en fait, je surveille. Parce que je vois que Fornost est toujours pas tombé, tour 15. Donc ce qui est bon signe, parce que généralement, il prendrait Annuminas ou Fornost. Sauf que c'est très bien... Oh, le rang, oh mais non, mais tour 16, le rang est déjà en train de se casser la gueule. Oh, parfait, la mission de l'argent. Oh, 2000 de thunes! Oh là là, 2000 de thunes, ça serait génial, hein. 3 tours, parfait. J'ai 15 tours pour prendre ça. Bon, il y a de la petite troupe dedans, mais rien de bien difficile à manger. Mes brigands sont toujours là. Je vais envoyer mes brigands un peu au casse-pipe aussi, hein. Voilà. 916! Je suis en positif! Je vais pouvoir commencer à investir, parce que là... J'ai pas eu la chance de pouvoir investir à Maitreyce et tout. On va encore attendre un tour. Pour monter à 1932 d'income et je vais pouvoir commencer à poser des bâtiments. Est-ce que je pourrais pas poser un charpentier? Même pas. C'est 950 un charpentier. Je peux même pas poser de charpentier. Je suis tellement pauvre.
Vous vous rendez compte du nombre de villes que j'ai et à quel point je suis pauvre? J'ai quand même 7 villes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Je vais prendre ma 8ème ville. Mais je suis trop pauvre. C'est une façon de jouer. Plus tôt vous capturez les villes, plus tôt vous allez pouvoir les travailler et les développer économiquement, pardon. Donc ça va être rentable, je l'espère. C'est un pari, c'est un pari. Par contre, ça m'inquiète de voir l'Isengard aussi fort aussitôt. Éventuellement, ça me met en bonne position pour contrer l'Isengard. Si j'arrive à me débarrasser des guildes... non mais les guildes là, les gars, vous êtes gentils, mais... allez vous faire foutre avec les guildes, quoi. Bon, on va mettre des... on va mettre partout des charpentiers. Voilà, 1100 de thunes. Ça va monter. Ça va monter doucement, mais sûrement. Deux tours. Ça va monter doucement, mais sûrement, maintenant. J'ai tous les impôts au minimum. C'est vraiment le Sahara, mais il n'y a rien. C'est rentable, les charpentiers, oui. Plus tu les fais tôt, ces bâtiments-là, plus ils sont rentables. Plus tu les fais tard, moins ils sont rentables. Ah là, je blob comme un gros malade. Hein. Regardez, je prends des risques de fou. Là, j'ai même pas de mec dans la ville. J'ai pas de mec dans la ville. Je suis, mais à flux tendu. C'est honteux, ce que je fais là. La prise de risque est énorme. Mais j'essaye. Pour l'instant, ça passe. Oh, pépé le golem. Si ça, c'est jouer golem, c'est de la prise de risque, hein, le biscuit. Voilà quoi. Ah c'est vrai que c'est plus Bamako que Lausanne, sans aucun doute, hein. Parce que c'est pas brillant tout ça. Ok, Angmar. J'ai toujours pas vu Angmar, seulement un corps d'armée qui m'a pas attaqué. Putain, 1135 d'incom. Regardez-moi, c'est tunas que je fais. Je suis riche. Je suis riche as fuck. Bon, on va continuer à poser des charpentiers. Voilà. Je les pose un par tour, mais c'est bien. Pas de troupes ennemies. Là, je voudrais bien poser éventuellement... Voilà, une tour d'observation. Au cas où... Voilà, parfait. Je commence à avoir un peu de map control. Ici, dans un tour, je vais faire une sortie. Je vais encore récupérer une ville. Normalement, je suis allié avec les... Attends, Ah oui, j'ai eu, c'est bon. 1300... Oh mais non, juste quand je fais de l'argent. Ouais, là, le problème c'est qu'en un tour il y est, hein. Malheureusement. Bah voilà, mes profits viennent de disparaître parce que je dois ramener mon armée à Monsoul, hein. Pas le choix. Fuck. Ça fait quoi charpentier exactement? Ça diminue, je vais te montrer. Ça diminue le temps de construction et le coût de construction des bâtiments. Il y a plusieurs tiers à ce bâtiment. Et regarde, pour faire simple, ça réduit le temps de construction de 15% et ça réduit le coût de construction de 15% et ça réduit le temps de 20%. Donc quand tu le cumules avec les bâtiments qui suivent, ça va te faire gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Plus tu le fais tôt, plus c'est rentable. C'est pour ça que je fais généralement tiers 1, tiers 2 en early. Et qu'après, selon qu'est-ce que je capture quand je fais pas les tiers supérieurs. Mais ouais, c'est rentable quand tu les fais tôt. Bon, c'est parti. Donc dans des petites villes comme ça que vous venez de prendre, ouais, mettez les charpentiers. Surtout quand vous êtes ric-rac au niveau économie, bah comme moi là, où vous comptez 52 thunes par 52 thunes. Bon, première bataille contre Angmar. Je vais vous montrer le Tower Defense à Amonsoul. Ou comment vous pouvez faire du 1 contre 15, 1 contre 20, 1 contre 100 même, avec certaines unités. C'est une magnifique forteresse. Et au passage, vous pouvez rançonner. Angmar paye les rançons. Donc vous gênez pas pour rançonner Angmar, quand vous pouvez. Récupérez de l'argent sur Angmar. Et financez votre économie avec Angmar. Oh, il est magnifique l'artwork, hein. À propos d'Angmar, c'est classe, hein. Bon. Voici une carte qui est géniale pour défendre, hein. Ça, c'est le paradis. Vous pouvez faire des ratios assez dingues. Voilà.
C'est un goulet d'étranglement. Donc avec quelques Dunedains, quelques archers et un bon général, vous pouvez défendre ad vitam aeternam. Sachant qu'en plus, Angmar a des bonnes unités, mais n'est pas réputé pour avoir un très bon moral. C'est le problème de Angmar en early game. C'est que ça se casse un peu la gueule. Donc là, j'ai déjà beaucoup d'unités. J'avais même pas besoin d'avoir des Dunedains ici, mais vaut mieux... J'ai préféré la jouer un peu safe, en fait. Bon, par où ils arrivent? On va arriver par là-bas. Ok, parfait. Bon, bah, les gars, les rançons, vous avez vu que c'est rentable, hein. Quand vous jouez le Mordor et tout, vous financez votre économie avec les rançons, hein. C'est un style de jeu, les rançons. Il faut jouer avec les rançons. C'est plus honnête de jouer avec les rançons que de faire des exploits de diplomatie en faisant payer les IA à coût de 100 000 des villes et tout. Bah, à la base, Amon Sul était une énorme forteresse. Hein. Elle est peut-être pas forcément bien représentée dans le Seigneur des Anneaux. Mais Amon Sul c'était la capitale du royaume de... du Rodour. Donc c'était une énorme forteresse. Ouais, je trouve que ce serait une bonne représentation de la ruine du forteresse du Rodour. Bon bah voilà, ça va être simple. Hein. Ça commence déjà à tirer. Regardez-moi ces débiles qui arrivent. C'est du singe, hein, tout ça. C'est du singe. Il n'y a même pas de bon général ni rien. Bon, là, ça va être un abattoir. Hein. Donc là, quand vous avez beaucoup d'archers, vous descendez encore plus bas, vous mettez les archers sur toute la longueur, et vous empilez les cadavres. Ça marche tout le temps. On va même mettre un peu de son, parce que c'est amusant. Allez, ça commence à saucer. Bon, on a quoi? On a de la Light Infantry. C'est la piétaille du Trolls, pareil. C'est de la merde. Quelques archers. Des Hillman, c'est bon. C'est que de la piétaille. C'est le T1. C'est le T1. Ils sont particulièrement mauvais. Ils vont arriver épuisés. Ils ont pas de général. Alors, vous savez que c'est une carte buggée. C'est-à-dire que les unités vont systématiquement faire le forcing pour essayer de passer. Donc c'est très facile C'est vraiment une carte à exploit. Hein. Vous pouvez tenir des stacks entiers d'Isengard avec quasiment rien en garnison. Donc ça sert à rien d'avoir trop d'unités ici. Vous installez une petite garnison là, et vous êtes bon. Allez, tirez derrière. Allez, saucez-moi tout ça. Bon là, les Dunedins, ils vont les manger. On va essayer de perdre le minimum d'hommes. Hein. Voilà, allez, saucez-moi tout ça. Là, j'ai même peur de faire un peu de friendly fire, peut-être. Aïe, 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 y a du friendly fire. Aïe, 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 ça touche un petit peu. Aïe, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va craquer. Les Dunedins tiennent. Parfait. Ils ont déjà pris 50% de perte, j'ai pris 1%. Vous vous rendez compte? Quand vous savez faire exploiter un peu la map, hein. Ouais, mais allez, on accélère, hein, parce que là, ils se font découper, hein. Eh, tirez dedans, là. Tirez dedans, mangez. Allez, on commence à faire du prisonnier. Non mais reviens! Oh reviens! J'ai pas assez de prisonniers là! C'est pas rentable! Ah bah d'accord, voilà. Bon bah ça a été rapide, hein. Ça a été encore plus rapide que prévu, hein.
Bon bah on va essayer de... J'ai même pas réussi à faire 100 prisonniers. J'ai même pas eu 100 prisonniers. Oh c'est pas brillant. Hein. Ah si si, attendez, y a de la thune là. 110, allez. Là-bas. Mes mecs ils sont chauds là. Ils sont combien là-bas? Ils sont 47. Si je peux faire 150 prisonniers, ça va peut-être être rentable. Allez, chopez-les. Allez, chopez-les. Attends, mais il y a une autre unité là-bas. Oh. Regardez-moi ces cons, ils sont buggés. Ils sont buggés. Bon, c'est pas grave, je pourrais pas les choper. Peut-être avec les buter. Je les ai eus. 150. Parfait. Bon bah on va rançonner tout ça. Hein. Les gars, vous voulez pas vous le faire là? C'est bon, ils l'ont eu. Bon allez, je crois qu'on est bon. J'ai perdu 8 soldats. J'ai perdu 8 soldats. Ouais, il faut défendre à Amon Soul. Ouais, une unité de cave. Bah ouais, mais le problème c'est que ça coûte cher une unité de cave, pépère. Unité de cave, avec les Dunedin, chaque unité en early game, ça coûte une blinde, quoi. Donc ouais, ça serait tentant d'avoir une unité de cave juste pour les fuyards. Je vais le faire, mais là, je suis trop ric-rac. Là, je suis vrai. Il faut que je lance l'économie dans mes villes, en fait. Là, j'ai capturé des villes, mais j'ai pas eu assez de temps pour investir dedans. Ni le temps, ni l'argent. Donc là, non seulement, je vais capturer une ville, je vais repousser l'assaut, je vais pouvoir remettre mes mecs en garnison, et je vais récupérer 2000 de thunes avec la mission. Allez, je rançonne pour 500. 582, je prends. C'est de l'argent, 582. Je sais que ça fait un peu pingre à s'en casser les doigts sur la table, mais c'est de l'argent. Ouais, ça rentabilise IP la rançon, absolument. Allez, il tente sa sortie. Face à Aragorn, ça devrait bien se passer. Donc dites-vous que là, j'ai pas recomplété. Ces troupes, elles sont là. Depuis 20 tours, elles ont toujours pas recomplété. Hein. Donc ouais, c'est... Ça tombe vite. Et je suis encore à des années-lumière de pouvoir recompléter mes armées. J'ai pas les infrastructures. Au niveau régional, je suis pas au bon endroit. Ouais, c'est... Mur de bouclier, c'est parti. Allez. Venez voir papa. Par contre, je commence à avoir des troupes expérimentées. Et ça, c'est cool. Hein. Bon. Il y a des unités d'élite là-dedans. Ils sont là. Il faut que je tape les Sellsword. En priorité, l'infanterie lourde. Elle peut être gênante comme la pluie. Voilà. Voilà. C'est parti. Aragorn se complète tout seul. Quand il est en ville, oui. Tous les généraux dans le jeu se recomplètent tout seuls lorsqu'ils sont en ville. Donc vous pouvez faire des armées de généraux. Des armées de généraux qui vont se recompléter. Oh là là, là par contre je vais avoir... Aragorn va peut-être prendre cher, mais c'est pas grave. 19, 116. Bon, je vais affronter les Sellsword. On va essayer de les tomber sous 20 au moins. 100. Allez, une dernière salve. Allez, c'est parti. Ok, sous 100, c'est pas mal. Allez, mes brigands, ma piétaille. Oh, la salve. Oh, magnifique. Allez, bon, sauce-les. Rien que pour ça, mes 4 brigands, ça va être le coup. Oh, j'ai eu le général ennemi. Ça, c'est bon pour le moral. Parfait, les Sellsword en panique. On va taper l'infanterie légère. Ah,
Je vois Chouan Bourguignon qui vient de lancer Star Wars Jedi Fallen Order. Voilà à quoi joue Chouan, hein, pour ceux qui seraient curieux. Oh, regardez Aragorn! Aragorn et la Grey Company! Ça rigole pas, hein! Parfait, ceux-là ils se sont barrés, on va continuer à les saucer. Oh là là, là le tir à bout portant. Alors ça c'est de l'anti-armure. Je suis content de leur taper dedans à bout portant. Allez les gars, saucez ça, c'est cadeau. Oh, il fuit déjà! Il fuit! Ça je prends, hein. Allez, il y a tout qui fuit là. Allez, on lève les murs de bouclier. Voilà, allez hop. Ça tombe. Voilà, le problème c'est qu'il va avoir le temps de se recompléter avant que j'arrive. Son moral va remonter. Allez, mange-le, allez. 14. Ça tombe vite, 10. Putain, mais les dégâts qu'ils font, c'est indécent, la compagnie grise. Oh, ça fuit, parfait. Hop. Yes! Allez, tout s'est effondré, on arrête la bataille, on a pris la ville, j'ai perdu 77 mecs. C'est des pertes, mais je viens de récupérer encore une ville. Je récupère une ville, sachant que j'étais déjà en positif au niveau thune. C'est bon ça, c'est un putain de bon tour, en plus c'était une mission. Donc je vais récupérer les 2000 ducats de la mission. Quelle heure il est? On va bientôt s'arrêter sur ça. On va jouer encore un petit peu, ouais. On peut encore faire quelques tours. Voilà! Magnifique! Regardez les thunes! Swordmaster Guild, désolé, mais je peux pas encore me permettre. Imladris assiégé! Oh là 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 là, ça va pas bien! Edoras assiégé, mais non! Mais on est que tour 20! Kerandros sous attaque! Oh là 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 là, ça sent pas bon pour les forces du bien. Ça sent pas bon pour les forces du bien. On va immédiatement. Oh ouais, putain, la culture. Bon, non. Charpentier, c'est bon. Argand. Oh, il y aura un port à mettre ici. On va déjà mettre le conseil du Rangers local. On va commencer à installer les infrastructures pour gouverner. Ok, maintenant que je fais de l'argent, je vais pouvoir commencer à développer le début des infrastructures. La culture aussi, c'est parti. Parfait, là j'ai lancé un plan quinquennal. Ici, on les a dégagés, il y a quoi là-haut? Il y a deux unités. Je vais pas avoir peur de deux unités quand même. On va aller se cacher dans le fort. 1447, ok, si j'arrive à faire 1400 à chaque fois, c'est bien. Aragorn, il est pas trop fait pour... C'est une belle blitzkrieg que j'ai fait. Hein. Je suis très content. Hein. Je pensais pas en 20 tours à réussir à sécuriser tout le sud. Parce que là, j'ai sécurisé tout le sud. Hein. Et j'ai même cuck. Souvent, les Dune Landings vont s'étendre très au nord. Là, j'ai complètement coupé les Dune Landings. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais même aller, je pense. Je vais aller récupérer Barlos Dawn. Le problème, c'est que j'ai même... Ouais, ça me fait chier de pas avoir de général pour ça. Là, il faut que je patiente un peu. Récupérer là les Dunedain, on peut prendre. On va essayer de remettre une petite armée sur pied à Maitreyce. Voilà. ...1400 de thunes. C'est pas mal. Où Angmar est plus pénible. Pour l'instant, Angmar est même pas allé prendre... Fornost. Donc pour l'instant, ça va. J'ai pas trop peur d'Angmar. Pas peur d'Angmar. Ça monte bien, regardez là, je vais même pouvoir poser la nouvelle ville. Ma capitale, il y a une bonne croissance, plus 2,5%. Ça va monter. Là, le fait que j'ai sécurisé très tôt beaucoup d'espace, je vais le rentabiliser d'ici 40-50 tours. D'ici 40-50 tours, je vais pouvoir passer à l'offensive.
même avant contre les Dune Landings, voire même contre Angmar. Oh non, si je veux, crash aussi. Merde. Fais chier. Non. Ah, j'avais pas eu de crash depuis longtemps. Hein. Tu veux pas attaquer les Dune Landings? Bien sûr que si. Oh, bien sûr que si. Les Dune Landings, c'est... Il faut que je m'en débarrasse le plus tôt possible. Surtout vu que le Saruman a l'air plutôt balèze. Je vais essayer de taper les Dune Landings le plus rapidement possible. Hein. Je vais même taper souvent les Dune Landings avant de tomber sur... avant de tomber sur... sur Angmar. Ça faisait longtemps. Ah ouais, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, c'est vrai. Bon, encore un ou deux tours. Et après, je vais arrêter là. Ouais, Tarbard. Tarbard est une ville super importante. Donc là, je vais réfléchir à faire une descente sur Tarbard. Voire même, est-ce que je pourrais virer Aragorn? Non, je peux pas virer, enlever Aragorn de là. Il faudrait que Aragorn, c'est un général de combat. Voilà, on va faire ça. On va amener l'autre général ici. Et Aragorn, dès que je pourrai le virer, il ira avec l'armée ici. Parce que là, je suis vraiment ric-rac. Hein. Je suis vraiment ric-rac. Ouais, j'ai pas un de mes... si. On va aller voir les nains là-haut. Oh là là, ça c'est pas bon du tout pour... Ça sent le sapin pour le roi. Hein. Ça sent vraiment le sapin pour le roi. Hein. Bon, j'espère que le jeu va pas recracher. Croisons les doigts. Ça me fait pas peur les wargs et les trolls de neige si j'ai une bonne économie. Un Dunedin avec une économie, il a pas peur de grand chose. Mais c'est difficile d'avoir une bonne économie avec un Dunedin. C'est ça le souci. Donc là, je pense à long terme de. Je pense pas maintenant à mon économie. Là, déjà, le fait d'avoir 8 villes avec les Dunedins, ça me met très bien. Le Rohan. Ah bah tiens, on va directement aller voir le Rohan. On va s'en faire des alliés. Coucou le Rohan. Ok, ça va. Visiblement, il est... Allez, alliance, la totale. Voilà. Parfait. Je sais pas c'était quoi la mission. 750 ducats. Parfait, je prends. J'ai tellement besoin de thunes. Voilà. La culture. Allez, on va commencer à modifier la culture. Voilà. Ici, est-ce que je peux virer Aragorn sans que ça se révolte? Oh non, merde. Bon bah tant pis, hein, je vais devoir malheureusement... 70% un tour. Après, je ferai éventuellement un Ranger Council. On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Et ce sera bon. Les Trace. Oh non, mais je tombe sur des brigands! Mais merde! Putain, mais déjà que j'ai... Oh, mais c'est casse-couille. Hein. C'est sacrément casse-couille. Hein. Fenas d'urine. Est-ce que je pourrais pas construire? Si, je peux construire l'upgrade de la ville. Je prends. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Regardez, il y a Angmar qui revient. Ah ouais, il y a du monde d'Angmar. Je vais revenir à Monsoul. Voilà. Bon. Vous avez vu que économiquement, c'est chaud, hein. Économiquement, je fais 1000 par tour. C'est super chaud. Je suis ric-rac. Pourtant, j'ai 8 villes. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de réussir à lancer l'économie. Une fois que tu arrives à construire quelques bâtiments pour lancer la production, pour améliorer les villes et tout ça, mais il faut réussir à faire ça, ce qui n'est pas facile. Alors, est-ce que Angmar m'attaque? Angmar m'attaque pas, parfait. Un tour de répit en plus. Imladris assiégé. Ok, il a pas l'air décidé à m'attaquer ici. Bah ça me va, hein. Ouh, il y a une belle armée quand même. Hein. Une belle armée. Ok, là, regardez, j'ai fait pas mal de bâtiments. C'est parfait. On va continuer. Des fermes. Voilà, 9, 3 tours.
Ok, là, ici, il m'attaque pas. Parfait. Je mets les voiles. Mes traces. Voilà. Putain, je fais 835. Hein. 835. Hein. Je fais vraiment pas de thunes. Hein. Putain, ici, il aurait fallu que je mette à la place 850. Je vais annuler mes fermes à Tirduin. Et je vais construire le bâtiment qui améliore la... le bonus de loi. Ça, ça amène un bonus de 5% de loi. Ce qui fait qu'ils vont plus m'aimer, ces FDP, là. Voilà. 920. Putain, je fais tellement pas d'argent. C'est indécent, le peu de fric que je fais. J'ai 8 villes, putain, mais elles sont toutes nulles à chier. C'est que de la merde. Si au moins Angmar m'attaquait, je pourrais récupérer des rançons. Mais même pas. Allez, dernier tour de ce soir. On va voir si... Ouais. Mais c'est un bon start. C'est un bon start, il va falloir que je sois patient. Que je booste mes villes, j'ai les impôts au minimum, je vais améliorer la production de nourriture, ça va monter. Ça va monter et ça va steamroll. Mais là, bon, là c'est un peu chaud. Là c'est un peu chaud. Ah oui, Arnor, c'est pauvre as fuck. Hein. Il y a un gros potentiel, surtout au niveau des côtes. Mais ouais, tout le centre, c'est un peu merdique. Hein. Edoras a encore assiégé. Oh là là, Edoras. Yes, my lord. Yes. Edoras assiégé, mais pourtant... Without question. Yes, as you wish. Ah bah ouais, il y a une armée, en effet. Ils ont un bon général. Ouais, pas si bon que ça. Et à l'intérieur... Ok, il y a Eomer qui est là, ça va tenir, Edoras. Oh, le conseil des noms m'a fait un cadeau. Alors ça, ça fait plaisir. Hein. Quand on vous donne des thunes comme ça... Quand on vous donne des thunes, hein, vous êtes content, hein. Voilà, bon bah on va continuer à développer tout ça. Hein. Maitreis qui va potentiellement devenir une très grosse ville. Il faut que j'améliore la culture le plus rapidement possible. Fenas Durin, je suis en train d'améliorer ici. Amon Sol, non. Tirduin, on va améliorer la production de bouffe. 1500, c'est pas mal. Mais comme je dis, mes revenus montent à chaque tour. C'est léger, mais ça monte. Faut que je sois patient. Voilà. Oh, j'ai tellement envie d'attaquer Tarbard. Il y a une unité en garnison à Tarbard. Il me faudrait Aragorn. Aragorn n'est pas là, malheureusement. Aragorn, il va arriver bientôt. Allez, un dernier tour. Je craque. Ok, l'attaque a été repoussée visiblement. Ou alors il a pas lancé l'assaut. On va faire ça session prochaine. Je pense qu'on attaquera le Dune Landings. Sachant que Enyad Way, ça a l'air d'être en forme. Ouh. Oh, bah attends, mission diplomatique. Trade, alliance. Tiens, je te donne tout. Voilà, alliance avec les nains. On prend. Ça fait de l'argent qui tombe dans les caisses. On a bien besoin d'argent pour lancer l'économie. Et là, est-ce que... Si je... Aragorn part... C'est bon! Si Aragorn part... On est bon. On va préparer la descente. On va préparer la descente. On va rassembler toute l'armée à Maitreis. Là, est-ce que je prendrai pas les... Sentinelles de Cardolan? Parfait. Voilà, on va rassembler une petite armée. Et on va se préparer à faire une descente. Et on videra peut-être même Argand. Voilà. Ranger Council Grand. La culture. 913. Voilà. Bon, on commence à faire la transition économique. C'est cool. Voilà, on est en train de tout améliorer. D'installer les bâtiments logistiques pour avoir des unités qui vont être entretenues. Oulala, alors ça par contre ça me plaît pas. Parce que là, y'a personne dans la ville. Là, y'a personne dans la ville. Est-ce qu'il serait capable, cette espèce de petite salope, de contourner Amon Sul juste pour faire une descente? Y'a quoi là-dedans? Y'a rien, je pourrais l'attaquer, hein. Je pourrais faire une sortie et le défoncer, hein, si c'est nécessaire. Bon, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a quelqu'un à les raider? Il y a qui stream là?
Il y a CG qui stream. On va aller voir ce que fait CG. Il fait du Met 2 aussi. Ah, en plus, lui, il est aussi sur Divide and Conquer. On va aller voir ce que fait CG avec Senor des Rebords. Hop là, alors attendez. Il faut que je fasse ça. Hop. Bon, bah, on continuera. Je sais pas quand, mais on continuera. En ce moment, j'ai un emploi du temps un peu compliqué, vu que je guide pas mal. Hop. Voilà. Hop. Et puis, demain, Minute Géopolitique à 18h. Et en soirée, je ferai souvent un peu de City Skyline. Donc sur ce, passez une bonne semaine et puis bon week-end. Ciao, ciao. Salut. Et Teutonic n'étant